Le Glour Céleste en une minute, c'est parti! Commencez par tuer les mobs et laissez le boss se balader. Donc d'abord, lui il tank pour les autres, lui il se TP à 4 cases à partir du tour 2 et il pousse de 2, lui il booste ses potes et attire en ligne quand on le tape. Commencez par buter le tank en faisant des zones. Ensuite, passez son glouement, les dopu one shot dans la salle du boss, donc faut le tuer le plus rapidement possible. Restez à distance, poussez-le si nécessaire et surtout terminez jamais à une seule case d'un mur ou d'un objet. Lui il est chiant, mais bon, si vous le tapez pas en ligne, c'est easy. Ensuite, passez au boss. Pour le délock, il faut le taper au cac, et quand on le délock, il pousse tous les alliés à 4 PO au moins de 4 cases, donc faites gaffe aux dopu et au placement de vos alliés. Ensuite, ne déplacez pas le glours, ne lui faites pas de retrait PAP au PM, sinon il va réinvoquer les mobs d'avant et ça va casser les couilles pour la reste du combat. Une fois qu'il est délock, le glours il est délock que pour votre tour, donc chaque personnage devra le redélock. Évitez de troller le placement de fin de tour. Voilà, bah y'a plus qu'à bourriner et le glours va mourir. Si vous avez besoin de pousser vers la fin, c'est pas grave si vous le terminez, puisqu'en fait bah, il aura pas le temps de réinvoquer. GG à tous, bisous.